Comment on appelle un chien qui n'a plus de pattes? On l'appelle pas, on va le chercher. La Gemara dans Ta'anit nous raconte qu'une fois Rabbi Broka de Bet Achozaï était dans le marché de l'Efet. Il rencontre Eliyahu Hanavi, sympathique. Il lui demande, dis-moi Eliyahu Hanavi, quels sont les gens parmi tout le champ de l'Efet qui sont destinés au monde futur? Alors Eliyahu Hanavi regarde et lui dit, ah, c'est de là-bas, c'est de là-bas, ils sont destinés au monde futur là-bas. Rabbi Broka se met à courir pour les rattraper. Et il leur demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez bien la réponse de ces deux hommes-là. Nous, nous réjouissons les gens qui sont déprimés. Et nous faisons le shalom parmi ceux qui se sont querellés. La Gemara ici vient nous apprendre une chose qui est fondamentale. Comment être destiné au monde futur de manière tellement simple? Réjouissez les gens autour de vous. Les gens qui sont tristes, racontez-leur une blague. Les gens tourmentés, soyez à leur écoute. Car réjouir la vie d'un juif, c'est être destiné au monde futur.